qu'on m'entend le stun, bonsoir. Comment ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Non, 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 non. Est-ce que vous êtes chaud? Il est chaud. Bienvenue sur un farming en or qui ne s'inspire pas du tout d'une émission télé du presque le même nom. C'est faux. Le chat est chaud également. Ok, le chat est chaud. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est définir qui sont les meilleurs farmeurs parmi toutes mes équipes. J'ai 3 équipes à vous présenter, chacune composée de 3 personnes d'exception. Ouais. Ouais, moyen, je suis pas sûre. Moyennement d'exception. Mais surtout, j'ai avec moi ce soir une assistante. Une assistante qui ne va pas manquer de daber sous ses boules disco. J'appelle Sweet Berry, bonsoir. Bonsoir madame. Vous savez, dans les jeux télé, il y a toujours un mec avec un costume et il apporte des enveloppes et c'est genre le mec qui est garant des points, tout ça. Un huissier de justice. T'es ma sweetière de juste sweet. C'est beaucoup trop compliqué comme jeu. Donc c'est elle qui va s'occuper de compter les points des équipes et de définir qui sera la grande équipe gagnante de ce soir. Je rappelle que normalement, en rentrant, vous aviez un Larsen, mais également des boîtes qui vous permettaient d'inscrire votre pseudo et de miser sur l'équipe qui, selon vous, va gagner. Genre, les gars, on vous met 3 boîtes bleues, vert, orange, littéralement à l'entrée du truc, vous les voyez pas? Vous pouvez encore y aller viteuf, mais il va falloir courir vite, parce que à gagner, j'ai pas pris ma fiche, je vais le faire de... Oh, j'ai pris ma fiche. À gagner, Arte vous propose l'édition collector avec le vinyle de Vectronome, l'édition physique sur Switch également, et ça, ce sera pour les pseudos qui seront dans la bonne boîte, donc de l'équipe gagnante. Vous me suivez ou je suis vraiment trop tordue? Il est désormais temps, messieurs, dames, d'accueillir mes fabuleuses équipes. Par qui on commence, sweetière de justice? De justice. Tu prends une toute autre ampleur dans ton travail maintenant. On commence par l'équipe speedrun. Je vous demande d'applaudir très très vite l'équipe speedrun, composée de Jarmou. Ouais. Également composée de Miu. You. Et il est venu spécialement aujourd'hui pour participer à ce jeu parce que je l'ai supplié à genoux et avec beaucoup d'argent. Rilmiop. Il est déjà en hauteur de sa forme. Monsieur, monsieur. C'est par là, monsieur, s'il vous plaît. C'est ici. Vous avez une chaise. Vous avez une chaise. Village, village. Une petite bouteille. Il faut l'ouvrir, la petite bouteille. Ouais. Quelle équipe ensuite? On garde qui pour la fin? On garde... Tu sais qui pour la fin? Oui, d'accord, ok. La prochaine équipe, ce sont des personnes qui ont décidé de vivre la passion au travers de l'audio. Des personnes qui ont préféré la précarité à la gloire. C'est pas les joueurs, c'est les vidéos. Qui, qui a fait ça? Je vous demande d'accueillir très fort Médoc. Choisis ta table. Choisis la table gagnante, par contre. C'est celle-là. Ok, super. Et la chaise gagnante aussi. C'est celle-là. Mais bonsoir, vous le savez... Bonsoir, Médoc. Vous le savez, Médoc n'agit jamais seul, évidemment. Il est toujours accompagné de Hugo de Game Next Door. Non, mec, j'ai pas de stream deck. Saute? Non, il y a des escaliers sur le côté. Parcours! Excellent! Putain, t'aurais pu le faire en roulade quand même. Il n'a pas fait le signe de Joule non plus. Et enfin, pour compléter cette équipe absolument merveilleuse, c'est presque ça. Alors, ça, t'es sûr, c'est pas un politique qu'on n'a pas envie du tout envie. Non.
pour compléter cette équipe merveilleuse, il nous faut évidemment un diamant d'innocence. J'appelle Moguri. Lucière est là. Tu lui as glissé quoi là? Non. Ah bah bien joué. Un sens du timing au top. Mais évidemment, vous le savez, actuellement sur Arte, il faut s'asseoir s'il vous plaît, c'est déjà le sbeul, j'adore. Sur Arte, sur la chaîne Twitch d'Arte, tous les mois, on parle jeux vidéo avec une équipe formidable, vous le savez évidemment. C'est l'équipe Jour de Play qui arrive. Ouais, c'est pas... ouais. Dégagez-vous. Ah mais oui, ils arrivent, je ne les appelle même pas, ils sont déjà là. Et bah du coup, Olbius, Maudit, et Marine Mac. On perd pas aux applaudissements. Il va falloir arrêter de bouger. Évidemment, comme dans une famille, non pas du tout comme ce jeu télé qu'on ne connaît pas, on va commencer par déterminer l'ordre de nos équipes, n'est-ce pas? Ce sera donc une épreuve de rapidité pour commencer, n'est-ce pas? Nous, oui, c'est bon, oui. Non, c'est moi qui ai le buzzer. Et le buzzer, je l'ai fait à l'effigie d'une des personnes les plus importantes de Jour de Play. C'est notre cher réalisateur, Oupi. Yes. Qui est... Oui. Direct. Et c'est un buzzer qui dit bière. Oui, bah c'est tout ce que j'ai trouvé. Ça vous fait rire. Je vais vous demander chaque équipe de choisir une seule personne parmi vous qui va venir répondre à la question de rapidité. Maudit, elle est rapide, elle fait du roller derby. Qu'est-ce qui se passe? Moi je peux y aller, hein. Ouais, moi, je peux aller, hein. Je peux aller au casque. Oh, ça prend déjà si longtemps. On se lève. Donc Maudit, tu vas-y, peux vas-y, venir vas-y, ici. Reel me up. Et Moguri, ok, vous choisissez comme ça, ok. Ah ouais. Attention à Maudit. C'est toi qui bosse, mais est-ce que c'est lui qui doit donner la réponse? Ouais, laissez votre main sur le buzzer pour qu'on sache qui. C'est ça, exactement. Attention. Putain, il y a des gens qui ont des grands bras, là. Mais reculez. Qu'est-ce que c'est que c'est? Première question, d'après le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels libres, j'allais dire pas du tout, ludique, quels sont les supports les plus utilisés pour jouer aux jeux vidéo en France en 2021? Le téléphone. Ah, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Le téléphone. Le téléphone. C'était la réponse qui valait le plus de points. Félicitations, Maudit, tu fais gagner ton équipe. Bravo. Ah mais restez là, il faut vous départager. Deuxième question, tu peux t'asseoir, Maudit, si tu veux. Non, mais il n'y a plus besoin. Ouais, y a plus... Tu peux t'asseoir, vous êtes les premiers, ça y est. Gagné, c'est bon. Merci. Parce que tu nous as pas expliqué les règles. Oui, non, bien sûr. Mais oui, il faut savoir que je leur ai absolument rien expliqué. Hein. Ils ont dit oui, mais ils ne savent pas ce qu'ils foutent là. Deuxième question de rapidité. Toujours laissez votre main pour qu'on sache qui était Prums. Moguri, mets la main direct. Cherche pas la question. Ouais. D'après le CEL, quels sont les genres de jeux préférés des Français et Françaises en 2021? Les gens, ouais. Oh, bah, vas-y, dis-le si j'articule mal. Je dis que tu articules mal. Oh, laisse te donner la mauvaise réponse. Ça buzz là, normalement. Il met trois quarts d'heure à la fin. Les jeux d'aventure, ouais. T'aurais dit quoi, Moguri? D'après le CEL, les genres de jeux préférés des Français françaises en 2021 sont les jeux casu, les jeux de plateforme. C'est quoi un jeu casu? Je ne sais pas. C'est le CEL, c'est pas moi. C'est le CEL, ça, Hugo. C'est le CEL. Les jeux de rôle slash aventure. Les Fortnite. Les Fortnite. Course automobile, action, jeux de sport et stratégie. Donc, on a l'ordre de nos équipes. Non, mais au moins, on observe, on est en embuscade. C'est ça. Jour de play, speedrun,
et les losers, quoi. Les gars, j'ai ton portable, Camille. Merde, il a mon portable. J'ai plus aucune confiance en moi. Il a été détruit par ses adversaires, c'est normal. Merci. Avez un micro sur chaque table, si vous voulez qu'on vous entende répondre, par exemple. Ça peut être un bon... C'est vrai que je vous ai rien expliqué, mais je pensais quand même que... Il y a une bonne présentation. Voilà. On passe donc à la suite. L'épreuve des poteaux, c'est parti. Putain, non. C'est faux. On joue à Koh-Lanta maintenant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il regarde au-dessus. C'est faux. L'équipe gagnante, je vais vous demander de choisir trois thèmes. Un pour vous, deux pour les équipes d'en face. Aïe, 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 aïe. Choisissez bien, la liste est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Je pense qu'on ne soupçonne pas aussi. Alors, les thèmes, normalement, jour de play, vous les connaissez? Ah. Vous les connaissez? Avantage. Il y a un gros avantage pour jour de play. Il y a triche. C'est qu'évidemment, tous les thèmes que je propose dans le jeu, ce sont les thèmes des émissions, des saisons passées de Jour de Play. Putain, mais ils vont mettre 15 ans à rire. Tu veux changer d'équipe, c'est ça que je sens comme un biais dans cette histoire de choix de thèmes. Ah. Vous avez pris l'apéro? Vous avez mangé déjà ou pas? Ouais, c'était bon. Galette saucisse? Il y en a plus? Vous mangez de la bière? Alors, on reconnaît bien les gamers. C'est bon? Mais bordel. Il n'y a pas une pénalité s'ils mettent trop de temps? Je te jure, j'aurais dû faire ça. On est d'accord, ça me semble limite quand même là. Fallait confier cette tâche au speedrun, désolé. C'est clair. Vous vous brouillez le cul? Oui. Alors quel thème vous choisissez pour vous? On choisit voyage. Voyage. Ah, donc, intéressant. Pour les autres. Et pour les autres? Par là-bas, on va mettre de la direction artistique. Les fils, j'aime beaucoup. Ouais, pour vous. Direction artistique. Et pour cette équipe incroyable, on va vous donner... Attention à ce que tu vas faire. On va vous donner du love. L'amour. Du love. Je sais comme tu as adoré travailler sur excellent. Cet épisode de l'amour. Excellent. Okay. Sauf qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est pas toi qui va déterminer à qui va aller les thèmes. C'est le chat Twitch qui va décider. Elle change les règles au fur et à mesure. En fait, c'était pas toi. Nouvelle règle. J'ai une connexion internet. Je vais te dire. Non. Le chat Twitch, vous décidez qui va avoir l'amour et qui va avoir la direction artistique entre l'équipe speedrun et l'équipe. Vous êtes qui? Podcast. On a besoin d'amour. C'est une violence ce que tu es en train de faire. On passe une bonne soirée. On passait une bonne soirée. Pendant que le chat est en train de voter, il faut encourager les underdogs, évidemment, on va partir sur, tu m'as dit quoi pour vous? Le voyage. Question voyage. Quels sont les bons composants d'un JRPG? Ouais, il y avait des questions ciblées pour certaines personnes. Bravo. Sortez-moi cette personne. Selon vous, alors je rappelle que les questions, je les ai envoyées à toutes les communautés de l'internet et que j'ai récolté les réponses. Donc là, on n'est plus selon le sel, je sais pas quoi, nanani, nanana, c'est selon j'ai, les j'ai gens. J'ai répondu au questionnaire, donc j'ai corrompu c'est bien, les réponses. Bravo. Tu triches? Mais quoi? De la triche depuis le début. Je suis prête sur Twitch, hein, sur mon téléphone, par si contre, tu veux voter. Est-ce qu'on a le nombre de répondants de combien? Combien de... Quelle est la stat? Quelle est là? Combien de gens ont répondu à ce questionnaire? Il y en a eu 150, je crois. Il y en a eu pas mal. Donc représentatif, d'accord. Oui, toute la France, quasiment. Quel genre de public a été visé par ce questionnaire? Oui, merci. Merci de poser les vraies questions. Il est 21h21. On donne des réponses? Bah ouais. Bon, la team slow run, il est temps. Ouais. On nous a pas expliqué les règles aussi du jeu. C'est vrai. D'accord. Attention, hein, on n'a pas lancé le chrono, on a été sympa avec vous, mais quand même. Hein. Et les speedrunnereuses, là, ils sont au taquet sur les chronos. On va lancer un split, là, hein, c'est pas possible. Hein. Moi, je dis un système de combat au tour par tour. Un système de combat au tour par tour. Est-ce que ça rapporte des points, ça? Ouais, on a d'autres réponses. Alors, ouais. Y a pas. Un récit initiatique. Autant de réponses qu'ils veulent. D'accord, ça, ok. C'est une pas, réponse en fait. Par personne, monsieur Terra. On est en train de dire des trucs qui ne sont pas dedans, c'est sûr et certain. Ah. Et la dernière? Un univers développé.
Non, mais je sais pas, moi j'ai écouté en fait. Un univers développé. Mais me juge pas, j'écoute mes camarades, ça s'appelle la solidarité, monsieur. Non, mais l'univers. Il y a une manette. Je te jure. C'est des jeux. C'est les réponses que les gens ont dit. Ouais, il faut trouver ce que les gens ont voilà, dit. Mais non, mais vous on avez déjà regardé ça. Une fois une famille en or dans votre vie ou mais pas grave, c'est abusé. On est si vieux que ça, ils n'ont pas connu. Mais je pense qu'on est vieux, je pense qu'on est vieux, définitivement. On reste sur ça, malgré tout. C'est un peu du rétro-gaming, oui. Ce jeu, quand même. Hein. C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Tu me dis on veut développer, je te dis développe, tu veux que je développe. Calme-toi, moi, je calme-toi. Pense... Non, il va la démarrer comme ça. Je sais, 3 heures. Il faut un personnage féminin mineur. Et sexy. Dis-moi en plus sur ça. Sexualisé. Ah, on compte. Mais c'est déjà pas mal. Donc, attends, mais ils écrivent une thèse en fait quand ils répondent le panel. Non. Vous avez. Eh, hey, tu t'es déchiré que vous soyez premier. Vous êtes premier. Tu te démerdes avec et ben, ça. Eh ben, c'est pas mal. Ben, un personnage féminin mineur. Ah, t'es en train de lire le chat en même temps et c'est eux qui t'ont dit. Mais non. Pss. Oui. Elle a littéralement. Oui, Charmou qui essaye de faire pareil avec les gens. On peut aussi dire la musique. Ils ont 15 réponses par personne mais actuellement. En fait, c'est eux qui jouent. On arrête, c'est elle, nous, on regarde, elle. En fait, c'est ça. C'est, tu veux qu'on voilà, commence c'est ça, avec okay, toi très bien, j'avais pas compris est-ce le concept. Est-ce qu'on arrête, madame l'huissière de juste... Décomposition de haute volée. Alors, est-ce qu'on compte la réponse de Maudit? Non. Je n'ai rien dit. S'il vous plaît. Voilà. Non, c'est faux, c'était juste allumé sur mon mais téléphone. C'est faux, je joue au JRPG, j'ai fini Fire Emblem. On dirait la même chose. Oui, j'ai Xenoblade Chronicle. Est-ce que c'est un vrai JRPG hein? Oui. Enfin. Allez, débat, hot take. On la compte ou pas, Sweet? Bon, allez, on y va. C'est pas vraiment l'intitulé, et elle a un peu triché. On leur met 0,5. Attends. Trop arbitraire les règles. Mais c'est non, bien pire d'avoir et demi que rien. Mais moi rien, ça me mais va très on bien. On peut avoir un peu de feedback, enfin c'est-à-dire qu'est-ce que pourquoi c'est vrai ils ont 0,5. Je cache l'écran. Les composants indispensables d'un bon JRPG d'après les communautés sont des soins ou des res qu'on va bien garder jusqu'à la fin sans jamais les utiliser, ça ouais. Sent très con. C'est vrai. Un personnage trop dork, si possible jouable. Ouais. Une armure de meuf douteuse. Non. C'est une armure. C'est le demi-point, ça? C'est pas le demi-point? C'est, ok, c'est faire. Une ou des armes qui n'ont aucun, mais alors aucun sens. Genre, Genji, s'il a un bilboquet, je suis désolée, ça ne marche pas. Une meuf douce et gentille, incroyable. Ce serait pas la healeuse? Et un animal anthropomorphique. C'est pour ça que t'étais un peu le cul entre deux... C'est un animal anthropomorphique ouais. Oui, mais la meuf douce est souvent mineure. Mineure en quel sens? Si, c'est... De haut en bas, de gauche à droite. Tac. Ah, tu veux qu'on leur dise? Alors... Je suis du père. Qu'est-ce que c'est qu'on fait là, ensemble? C'est quoi ce jeu, l'initiative, en fait? Juste c'est pas le début la suite de ce qu'on fait. Je comprends pas. C'est un jeu. On va faire un skip, nous, on va directement prendre les questions. Non, mais est-ce qu'ils ont gagné ou pas, là? Non, bah, non c'est Sweet qui décide. On m'a accusé de tricher c'est alors le que le chat est lisible par Sweet, tout le monde sur cet écran depuis le début. C'est toi qui décides? Est-ce qu'ils ont gagné? Un demi-point. C'est pour ça. C'est que c'était humiliant. Moi, je veux pas des demi-points dans ma vie. Je veux des points ou des pas points. Ok, cool. Cool. Est-ce qu'on peut revenir sur l'écran où ils verront rien? Yes, voilà, c'est mieux. Alors, le chat, est-ce que le chat a fini de voter? Love pour le podcast. J'ai lu ça aussi, effectivement. Sauf on va que le la podcast, jouer vous êtes trois. C'est ça, vous êtes bien. Troisième. Et vous avez eu quoi? La DA, forcément. On refait un jeu de rapidité, c'est ça? Non. Il veut buzzer Oupi. Pardon, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, c'est la parole. Là.
Je peux garder ça. La DA pour l'équipe speedrun. Il y a une question à chaque fois. C'est un jeu, voilà, ça n'a pas duré très très longtemps, tu vois. On n'a pas le time. Merci à tous et à la... On n'a pas le time. Ouais. Merci Camille. Bravo à Camille. Merci aussi à Sweetberry qui était avec nous ce soir. Direction artistique pour vous, l'équipe Speedrun. Vous allez vous faire éclater. Bien joué, c'est pas ça la question. Quels sont les pires FMV de l'univers et ses environs? Alors attends, j'ai une question. Les FMV, on est d'accord, c'est le jeu en lui-même. On parle du jeu, pas de FMV. Dans le jeu. Non, oui, oui, le jeu en lui-même. Mais donc il faut le titre du jeu. Oui, oui. Non, il me faut juste le réal et l'année. Un truc qui n'a aucun. Non, mais je rigole. Alors, écoutez, Night Trap, c'est pas mal. Night Trap, je pense que les gens connaissent. Vous avez une réponse chacun. D'accord. Chacun, chacune. Putain, mais il n'y a pas de temps de délibération là. Tu leur donnes une minute. En fait, c'est toi qui changes les règles. Moi, je leur donne une minute. Vous pouvez déjà réfléchir à l'amour. C'est le décompte. Excellent. Eh, le public. Alors. Oui, faites le décompte, le public. Road Avenger. Comment? Road Avenger. Road Avenger. Excuse me, Road Avenger. Road Avenger. Yeah. Non, j'avais pas compris parce que tu sais l'accent anglais. Night Trap. Night Trap, ok. Et alors, il y a des jeux où il y a des FMV, mais qui ne sont pas forcément des jeux où il n'y a que des FMV dedans. Vous voulez des jeux où il n'y a que des FMV? Ils sont faits qu'en vidéo, on est d'accord. Non, mais... C'est des vidéos interactives, le jeu. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'un jeu vidéo, au fond Bah, c'est ça, c'est qu'il y a plein de jeux qui vont mettre des vidéos dedans. Réponds. Sinon, je fais décompter le public. Ah là là. Il est en train de setup un glitch. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va dire... Zéro. Ah, merci. Deux réponses, malheureusement. Il y a les Final Fantasy, s'en est pas, tu vois. J'aurais donné toutes les réponses, alors j'en ai plus. Oh là là, hey, ils ont décompté. Hein. Je sais pas, Dune. Dune, dans les pires FMV. Bah, pire FMV, non. C'est bon, la réponse a été donnée. Il a dit Dune. C'est vrai? Ah oui, ils ont la deux. Eh bah, ben, c'est pas glorieux. Mais félicitations quand même pour Miyu qui a trouvé Night Trap. Il y avait l'image littéralement sur le truc, mais qui a fait ce jeu? Ça Street Fighter The Movie The Game, je suis désolé, c'est un jeu de baston. Hein. C'est pas un FMV. Hein. Monsieur. Je vois les réponses d'ici. Mortal Kombat, je suis désolé, c'est pas un FMV. On dirait une personne très très âgée. Alors, non, mais on est d'accord, le public. Voilà. Je sais. Parce que ça, c'est pas dur de dire oui. Sécurité. Voilà. Harvester, je suis d'accord. Le seul jeu qui était un FMV là-dedans, c'était Night Trap. Je suis d'accord. C'est vachement dur de trouver des jeux en FMV. Je suis d'accord que c'est pas des vrais FMV la plupart, mais c'est pas mes réponses. C'est vrai. Il fallait ok, il faut que je pense que les gens sont cons. Exactement. Moi, je dis moins 2 points. À la centaine de personnes qui ont répondu, ils sont là en plus. Non, 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 j'ai posé la question, est-ce que c'est que les jeux qui sont vraiment purement faits en vidéo ou en FMV? Ah, non, j'aurais cité des jeux qui auraient été faits en vidéo et qui étaient mis en gameplay. Et là, je t'aurais dit Street Fighter. Je t'aurais dit Mortal Kombat. Ton problème, c'est que tu veux trop gagner ce jeu. Tu veux trop gagner un jeu qui n'a pas de sens de base. C'est pas grave. C'est pas grave. T'es à vous. Laisse-nous. Ok, Alain, ok. C'est à vous de shine, là. Ils ont eu combien de points? Quoi? 5 points, d'accord. Mais attends, on peut avoir le barème éventuellement pour savoir comment on gagne des points? La première réponse est 10, la deuxième. Ah d'accord, ok. Et quand on triche. T'as 0,5, faut vraiment être un schlag. Le chat est disponible ici, tout le monde le voit. Je vous jure, derrière. Sortez là. Tout simplement. On passe à la question sur l'amour pour les vrais lovers de ce plateau. Le chat a tout compris, mais d'accord, il m'y hop. D'accord, Riviop. On passe à un peu d'amour, ça va vous faire du bien, bordel. Je le trouve plus, mais il est là. Merde. L'amour. J'ai demandé donc aux communautés, puisqu'il faut tout vous expliquer, c'est de me donner
quels étaient les pires couples des jeux vidéo. Les gens, tu les vois, t'as envie de faire... Non, mais... Alors, faut dire Mister et Miss Pac-Man, j'ai vu la dernière... Non. Enfin, bon réflexe. Non. Et elle, apparemment, elle dit... c'est pas ça le jeu, parce que on a vu comment ça fonctionnait, c'était, apparemment c'était ça. Ah, c'est comme ça que le jeu c'est, d'accord. Et pour trouver cette image, ça t'appelait quoi? Ça c'était moi. Attends. Les coupes des jeux vidéo. Ça a été posé quand cette question? C'était quand? C'était il y a quelques semaines. Ah oui, je sais pas comment il s'appelle. Non, je pense qu'il y a Mario et puis... C'est vrai que vous le voyez tout le temps, le chat. Après, c'était quand même une des dernières réponses, donc ça vous fait pas... Oui, ils vont dire... Non, mais ils vont faire des bases. Et en plus, t'étais pas précise. Il y a peut-être ce genre de truc. Je vais faire décompter le public, hein. Ah, c'est Dieu. Tu vas faire ça. Zelda et Link, ouais, c'est pas mal. Ils sont pas cons dans le chat. Ouais. Des fois, ouais. Ils sont plutôt fins. Il faut qu'on donne les réponses, Camille, maintenant? Ou on peut encore qu'on se... Donné, il va falloir, ouais. Parce qu'ils ont mis du temps, les autres. Oui, c'est pour ça que je vous laisse du Est-ce temps. Est-ce qu'on peut attendre? Parce qu'on a nos réponses, mais pour au moins... Non, attends. Okay. Si vous voulez, hein. Alors, on dit quoi? On commence Chacun avec... Chacun une réponse. On commence avec Mario et Peach. On va partir là-dessus. Ah, apparemment, les non. On n'a pas dit Mario et Peach, pardon. Non. Mais vous êtes au courant qu'ils ne sont pas en couple, quand même. On demande. Dans... Il faut donner deux personnages, c'est ça? Non, il faut répondre en binaire, parce que c'est les couples. Alors, nous, bon, à qui on a pensé? Donc Mario et Peach, ok, assumons. On est parti sur Sonic et Knuckles aussi. Voilà, on s'est dit que c'était un couple de merde. Voilà. On a des points, ça donne des points! Bien joué, bien T'es joué. Sûr? Voilà, oui. Et oui. Knuckles? Non mais c'est vrai. Si, ils ont raison. Si. Oh, ouais. C'est mauvais, donc ils ont raison. On s'en fout. Tifa et machin ou... Non mais genre... Link et... Ah ouais, Link et Zelda. Zelda, c'est le garçon ou c'est la fille? Je me souviens jamais. Je sais jamais. C'est le cheval. Zelda, Van, c'est extrêmement drôle. Ils sont nuls. C'est le jeu, je crois. Oh! Tu maintiens Sonic et Knuckles? On est très... Oui, très pour le sport. On peut changer Sonic et... Est-ce que le public... jamais Sonic et Ami, personne connaît Ami. Oui, on garde. Oui, on garde. On garde. Ils sont nuls à chier. Vous gardez ça? Oui. Tifa et Cloud, sinon? Est-ce qu'ils y sont? Ils en ont donné au moins 15 des réponses, là, ici, hein, tout à l'heure. C'était nul aussi, c'est vrai. Et Cloud et Barrett, quand on va au Gold Saucer. Est-ce qu'on a le droit de donner 5 réponses, en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt souple en termes de règles. Bah, je vais devoir être souple parce que vous êtes mauvais, alors... Yes. Pour l'instant, on mène avec un point. Mais avec un point, 5 points. Non, oui, vous avez 5. 5, 0 et demi et... Bah, 0. C'est quoi les réponses? On voit pas. Sonic et... Les réponses, c'était Sonic et Elise en Prums. Mais c'est qui? On ne connaît pas. Personne n'existe. Ça n'existe pas. Dans Sonic, tout existe. C'est eux qui ont répondu. Si tu veux régler tes comptes, ils sont là. Hein. Lilé, parce que moi, je suis myope. Je vois pas d'ici. Sonic et Elise, Catherine et Vincent. C'est un dessin animé, ça? Ouais, c'est Jeanne et Serge, mais avec des moutons. Il y a deux fois Catherine et Vincent. Catherine et Vincent, mais Catherine avec un K. Mais foutez mais qui a fait ce Google Docs là? C'est n'importe quoi. Tu sais te servir de Google, faut éliminer les redondances, hein. May et Cody. Putain, je t'avais dit, texte tout, je me souvenais plus de leur nom. Alors les nazes. C'est pas un couple dégueulasse, May et Cody. Max et Chloé. Life is Strange. Oh bah c'est un bon couple. C'est pas moi, mais arrête. Ça me semble, limite problématique comme réponse. C'est un peu problématique, je pense. Et en dernier, Batman et le Joker. Bon, un peu toxique. Quand même, ils se tapent dessus. On a combien de points? Juste, on a combien de points? Bah, vous avez rien. C'est là. C'est tout ce que je veux savoir. Sonic et Knuckles, est-ce qu'on l'accepte, le public? Oh, un demi-point. Oh non.
n'y a que la moitié de la bonne réponse. C'est vrai qu'il n'y a que la moitié de la bonne réponse, donc 5. Mais vous, vos 7 bonnes réponses, c'était l'image. Alors, attends, de attends, de quoi vous parlez? Mais c'est clair, c'était l'image de le premier, on est d'accord que c'est Sonic et quelque chose. Oui. Donc c'est 10 points la première réponse. Oui. On a la moitié, 5 c'est points. Merci. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Les mathématiques. C'est exactement mais merci, ce qu'on vient de merci. Dire. C'est ce qu'elle vient la de dire. La France, madame. Ne vous faites pas avoir, il a fait une école de commerce. Yeah. C'est vrai. Ouh. Bravo à vous, merci à vous. La démagogie. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ça y est, ça remonte, c'est pas mal. Il nous reste un peu de temps. On va passer, je pense, à la... Non, pas du tout. Merci à tous. Merci, au revoir. C'était ça, le jeu. Ça se jouait sur une manche. On va passer à la manche suivante. C'est parti. Tu me fais postillonner de rage quand même, hein. C'est chaud. On va passer à la manche suivante qui va mettre en scène le chat Twitch. Concentrez-vous. Concentrez-vous bien le chat. Est-ce que vous êtes là? Et le public qui est ici, on pense pas à eux. C'est vrai. Est-ce qu'on peut cacher le chat de cet écran? Ouais. Mais je propose que tu te mettes devant. Nickel. Voilà, nickel. Continue donc, comme ça, on a l'angle passé. Ah, bon, Camille, reprends-toi. Le chat Twitch, on va vous envoyer un personnage que vous allez devoir dessiner avec ce petit outil qui s'appelle Twitch Paint. Oh, non. Bravo, belle idée. Belle idée. Je pense que je vais me mettre comme ça de temps en temps. Il n'y a pas de chrono, donc la première équipe qui trouve gagne. Il faut qu'on... Attendez, préparez-vous. Laissez expliquer l'épreuve, laissez s'il vous plaît. Il n'y a pas de règles. C'est... Tu regardes qui est dessiné. Vous criez des noms. Thomas Oiselone. Ah, ça commence à dessiner là ? Ça efface la grille. Le chat pour jouer, vous faites point d'exclamation. Je crois que ça vous est envoyé de toute façon. Vous faites point d'exclamation plus... point d'exclamation... La case et la couleur que vous voulez, elles sont toutes affichées. C'est un personnage, personnage de jeu vidéo. C'est un personnage issu d'un univers de jeu vidéo. Bah, en général, les personnages de jeux vidéo sont souvent issus. C'est Pixel Wars. C'est parti. Ok. Ah oui, le nombre de points Sonic. À gagner. Sonic. Pas du tout. C'est lui qui l'a dit. Le nombre de points Sonic. À gagner est de 104 points. C'est Sonic. On a déjà gagné, c'est bon. Donc 109 pour nous. Allez. Non, je l'ai dit en premier. Donc c'est bon. C'est pas du tout Sonic. Si. C'est pas Sonic. C'est pas Sonic. Luigi. Comment? Luigi. Non. Waluigi. Tu vois? Non, mais il y a toutes les couleurs en fait, on s'en fout. Mais Doc, t'as dit quoi? Il a dit Waluigi. Waluigi. Oh putain, on a gagné. Oh là 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 là! Cet homme a un don. Il a eu une case violette, ça me dégoûte. Est-ce que je sens... Attends, eux, c'est l'équipe speedrun, c'est ça? C'est les gens qui vont vite, c'est ça, dans les jeux? Ok, pardon, excusez-moi. Est-ce que j'ai trois quarts de points parce que j'avais les trois quarts du prénom? Bah, celle, moi, je n'ai plus... Moi, je n'ai aucune responsabilité dans le jeu. J'ai pris leur réponse, j'ai pris ses points. Tu peux leur donner un peu de points aux autres, il n'y a pas de problème. Donc ça leur fait combien? Ils n'avaient rien trouvé tout à l'heure. Ils ont 109 points. 5. Est-ce que ton jeu, il n'a pas un problème d'équilibrage en vrai, Camille? Très très bien designé. Équilibré comme on l'aime. Impossible. Est-ce qu'on a le temps pour faire un deuxième dessin, du coup? Oui. Ouais. C'est bon, il voit pas le chat. Sonic. Mario. Cassez-vous. Link. Est-ce qu'on peut débrancher mon micro, s'il vous plaît? Ouais, couper son micro. Je pense que... Peach, bip, bip, bip. Non, mais là, ils effacent, on est d'accord. J'ai vraiment marre de cette équipe. Est-ce qu'on peut leur faire dessiner Toad? Est-ce que ça dessine le personnage qu'on doit chercher ou... Est-ce qu'il y a... Non, pas encore, dire... ok. Ça dessine au pif. Waluigi. On peut dire autant de réponses qu'on veut. C'est bon. On a Médoc. Hein. Personne ne me répond. Médoc, là, ça prend. Bravo le chat, hein, cela dit. Le chat est doué quand même. Hein, oui. On reconnaissait vachement bien. Tu l'as vu? Ouais, c'était bien fait. On peut commencer à dire. Yes.
Le chat sait, le chat commence à dessiner. Là, il commence, là, ouais, là on peut dire des trucs ou pas? Ouais, ouais, ouais. Nathan Drake. Raiden. Non. Putain, Raiden. Nathan Drake. Raiden. Solid Snake. Non. Princess Peach. Non. Sonic. Kirby. Kirby, non. Sonic. Non. On va arrêter avec Sonic. Mario blanc et rouge. Lara Croft. Non, non. Le grand Pikachu. Non. Boo. Non. Qu'est-ce qu'elle est? À quoi elle aime jouer, Camille? Tenter, je pense. Hein. À quoi elle joue, Camille? Ouais. Mario. Elden Ring. On ne sait pas personnellement. Elden Ring. Tom Nook. Vous jouez aux jeux vidéo, monsieur? Fortnite. Fortnite. GTA. Non. Mais c'est. Mais c'est un personnage. Vous n'avez rien compris. Je. Oh là là. Tu sais, lui, là. GTA. C'est GTA, c'est son nom de famille. Ouais, ouais, okay. Ça mérite quelques points. Donnez-lui un demi-point. Ça marche pas quand vous dessinez. Écrivez avec les pixels. Pas bête. C'est on ça, trouvera ouais. Mieux. Vous dessinez pas assez bien. Comment? Super Meat Boy. Non. Ouais, mais oui, blanc, je vois pas. Allez-y, allez-y, balancez, balancez. Simus. Non. Chun-Li, Chun-Li, Chun-Li. Non. Samus, tu veux dire? Donc non, Samus. 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 Qu'est-ce que t'as fait à ce micro? C'est dur. Hein. Blanca. J'aime le fait que Marine soit Blanca. Hyper concentrée, sérieuse. Ah. Non. C'est parce que c'est blanc, ça, tu t'es dit blanc. Le, attends, le professeur de Pokémon. Non. Sauf si tu swaps les couleurs. Non. C'est pas Red là, la chitifrène de Sonic là, qui est blanche là comme ça, qui a cette couleur là, ce serait pas Harmony. Ça. Harmony. Non, non plus, ni l'une. Il y a beaucoup de blanc. Hein. C'est bien là, vous galérez un peu plus, j'aime bien. C'est toujours du jeu vidéo. Alucard. Non, on est passé à du film. Bomberman. Non, non. Non. Ça aurait pu Bomberman. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça ressemble. Cloud. Non. Pourquoi après, Cloud des persos, du blanc partout. Ryu. Non. Ken. Non. Ça dit quoi? Non. Sonic. Jill Valentine. Chris Redfield. Non. Comment il s'appelle? Guybrush Threepwood. Non. Yoshi. Non. Ça va, Daddy Doo? Non, tu fais. On a le droit de le faire que comme ça. C'est, on est obligé de le faire à la Smash Bros. Sinon, on n'a pas le droit de le dire. Okay. Il faut les dire à la Smash Bros. Sinon, c'est pas validé. Kid Icarus. Kid Icarus. Sinon, c'est pas validé. Non, c'est pas Kid Icarus. Putain, pourtant. Attends, on fait tout Smash. Là, là, vous le voyez bien. Harmony. Comment? Harmony. Non, Harmony a déjà été proposé. Ah, Ken. Qui? Non. Rub. Le personnage de Pikuniku. Non. Mister Game & Watch. Ah, Toad. Non. Captain Falcon. Quoi? Oh putain, quand même. Rouge et blanc, les gars. Maintenant, tu le dis, ouais, je le vois, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose. Excusez-moi, Sweet Berry, êtes-vous en train de me dire que nous avons une équipe à 109 points et une équipe à 109 points et les 0,5 là? Bravo, jour de play! C'est ceux qui ont été favorisés en plus. Bah, normalement, oui, c'est l'équipe jour de play, je veux dire. Normalement, ils connaissaient les réponses. Hein. Elle a triché en plus, elle a regardé mon PC. C'est ma mère que non. T'as triché avant je et pendant. Je l'ai rodé, je l'ai rodé, j'ai bien vu. Oui, mais elle, elle a triché avant aussi. Hein. Avant quoi? Avant le jeu? Dans les elle savait avant. Oui, 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 hein. Elle a regardé mon PC. Oui. Alors, Waluigi. Non, mais déjà, elle a triché parce qu'elle a répondu aux réponses sur Twitter. Ce que je vous propose, c'est un dernier dessin pour vous départager. Allez. Ah oui. C'est fini après? Ah bah après vous gagnez, oui. Ah d'accord, OK. Non non, on gagne. Sur un dessin. Vous gagnez. Tu veux faire une finale quoi, bagarre? On gagne. Donc tous les thèmes là, toutes les questions que t'as posées, on tu s'en sert que deux trois. Tout oui, tout ce travail fait pour rien. Vous voulez qu'on se départage sur quoi? Vous préférez un dessin ou des thèmes? Ah bah le plus rapide c'est un dessin, le problème c'est le temps. On a 14 minutes pour savoir qui c'est qui est les meilleurs. Ah bah ça va, vas-y, on refait un tour de bordel là. Tour de bordel. C'est pas trop l'ambiance, mais. Le chat. Un truc. Le chat. Vous là. Demande au chat de voter en 30 secondes sinon. Donnez-moi un thème pour chacune des équipes. Attendez, je me mets dessus. Tout. Enfin, pour chacune. C'est vous. On sait que ça allait. Bah, vous pouvez jouer, mais bon. Mais c'est 200 points par question. La finale.
Non, on change pas l'équilibrage comme ça. La finale est entre l'équipe Speedrun et l'équipe Podcast. Putain, vous êtes fait rouler dessus, quoi. Vraiment, c'était. Il y a trois questions. Tu rigoles? Pour qui la triche? Non, mais ils n'aiment pas les tricheurs ici, en fait. On a la triche pour les tricheurs. Ils ne veulent même donc pas nous laisser jouer. La triche pour Jour de Plaie. Il est pas mal ce thème, je l'aime bien. Ils n'ont pas intérêt à se refaire. La triche va se retourner contre vous parce que j'ai cherché une question à laquelle il serait impossible de tricher, maudit. Et pour rendre la question impossible de tricher, il suffit de ne pas vous la poser à vous, mais de la poser au chat. Le chat, je vous pose la question. Voilà. Quelle est l'équipe de ce soir qui va gagner entre l'équipe qui a 0,5, l'équipe podcast et l'équipe speedrun? Vous avez une minute pour voter qui va gagner entre eux. Hein, enfin, vous pouvez voter Jour de Plaie. Hein. Tu veux pas voter? Allez sur le chat et votez. Mais c'est marrant la défaite des gens. Mais elle est sur son portable constamment en plus. Elle est sur son portable c'est constamment. C'est une addiction. Je n'ai vraiment pas triché. Mais t'as déjà prévu une réponse parce que, enfin, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Ah, c'est d'accord. Ils vous ont pas mis vous dans le sondage. C'est génial. Super. Le manque de respect est absolu. Il y a du slime après qui tombe sur les perdants. C'est prévu, hein, on m'a dit qu'il y a excellent le budget. J'aime ce genre de move. Ouais. Ah, c'est la table du seum. Ça va, vous? Il a tellement le c'est seum. La tête de Médoc que en je vois dans je le chat. C'est ma tête. Un thème c'est ta tête pour les autres. Ça, ça nous semble bien. Attends, alors faut désafficher mon écran. J'ai affiché, ouais, merci. En attendant que le chat vote pour savoir à qui vont aller les points. Un petit Vampire Survivor. Allez, c'est parti. Smash pour la finale. Choisissez un thème pour l'équipe qui reste. Le chat dit qui? L'équipe Speedrun? Ah ouais, c'est sûr. C'est eux qui gagnent alors. T'as l'air déçu. Ils ont gagné combien du coup? Bah, je leur donne des points là. Bah oui, c'est eux qui gagnent des points du coup. Non, non, attendez. C'est donc, des gens de l'organisation qui sont donc acquis à la cause du chat, c'est comme ça que ça se passe? C'est ça votre idée de la démocratie? C'est comme ça qu'on triche pas. Speedrun, c'est un skip, ne discute pas. Tu trouves que le chat a tort? Je prendrai pas ce risque-là. Le chat ou le public, bon, on tente de m'intimider en direct. J'ai, voilà. Quelle question, quel thème pour l'équipe? Vous êtes qui, vous? Podcast. Oui! Argent! Ecoledecommerce.com. L'argent. Alors, notre Patreon, c'est patreon.com/fin-ticket-retrait. Selon ces gens-là, vous remarquerez le détail du PNG qu'on n'a pas payé. Très beau travail. Merci. De la graphiste de l'équipe. C'est, bravo, voilà, elle. Tout est lié. Selon ces gens ici, quelles étaient les pires pubs des années 80-90? Sachant que je ne peux pas vous les diffuser. Dans quoi? Dans le jeu vidéo? De jeux vidéo, où bah on peut, oui. Il y a la pub Badois avec Serge Gainsbourg, il y a ces trucs comme ça. Oui, il y en a. Ah, d'accord. De jeux vidéo. Ah, de jeux vidéo. Attends, pub télé, t'as dit ou pas? Ouais, télé. Des années 90? 80-90. Mais on n'était pas... Enfin, ouais, bon. Dis pas ça. Moi, je les ai vus. Je m'en occupe, les gars. J'étais là. En direct, je les avais à la télé. Je vais m'en occuper. Après récré à deux. Le punk Sega. Il y avait les pubs Mortal Kombat. Mortal Kombat. Et en fait, il avait un problème. Je pense qu'ils vont pas trouver. Hein. De digestion. Je pense qu'il avait un problème. Non, un problème. Ouais. Sauriez-vous finir Zelda, je sais plus combien, machin, y a rien, ça existe ça. Avant d'être mort. Hein? Avant d'être mort. Ah, ok. Des comptes du public? Mais ça existait, le jeu vidéo? Ça existait, oui. Ah, c'est pub française, c'est pub française ou pas? Oui, bonne question. C'est les pubs que ces twittos ont vus. Oui,
C'est pas rappelez-vous ce que c'est un FMV. Pas que. Never forget les traîtres. Comment, ouais, comment il s'appelle le mec, le chef? Il va me falloir un décompte du public. Mais il connaît. Vas-y, on donne 5 réponses, on s'en fout. Le public, il y a combien, il y a quoi après 10? Okay, mais dans l'autre sens. Ok, d'accord, très bien. Donc, bah, Mortal Kombat pour moi. Ouais. Un truc avec Tomb Raider à poil, quelque chose comme ça. Et Sega Tassan Shiro, je le tente quand même. Sega Tassan Shiro. Mais c'est pas une des pires. Mais les pires, mais elle est pas pire. Non, mais t'as vu les réponses du truc. Je vais tenter Sega Tassan Shiro. Ça avait des pubs pour Yoplait. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas vous les montrer en plus, c'est chiant. Ouais. Il y avait la poupée qui pleure de la PS3, c'est une espèce de poupée. 80-90 Mais c'est quoi ce jeu? Attends, je prends le buzzer. C'est vrai. C'est le meilleur jeu du monde. C'est un scandale. C'est vrai qu'on m'a foutu ça et j'ai pas... Je te préviens, la deuxième, ça intéresse de 70. Vous voyez ce que ça fait, hein? Mais vous, il vous est rien arrivé. Putain, il y avait le on monsieur... a gagné à la loyale tout au long de ce jeu. Depuis le début. Il y avait le monsieur qui mange trop et qui explose de Nintendo. C'était d'accord, quoi? C'était la... Elle est dégueulasse. Le monsieur qui explose de Nintendo, ouais. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça? Oui, ouais, c'est d'accord. Dans un film, c'est dans... Non, ouais, oui, c'est justement, dans... c'était inspiré de ça. C'était inspiré de ça, non, pas de Seven, non. Des Monty Python. Oui. Whatever. Okay. Il y avait le sens de la vie. La Xbox, sérieux, vous vous rappelez pas de cette pub de la meuf Xbox qui accouche? De 90, oui, Xbox oui, oui, de l'Xbox 1980, de 90. Ouais. C'est-à-dire la meilleure console. C'est vrai. En 80, moi, j'avais la Wii, et après, en 90, j'ai pris la Xbox. C'est vrai que c'est des... Moi j'avais la VR. Hein. T'as demandé. Est-ce que ces gens connaissaient le jeu vidéo, les gens que t'as demandé? Ou en t'as fait, pris des gens dans la rue, tu leur as dit connaissez des pubs? Il y avait la madame zombie qui nourrit son bébé, c'était Resident Evil. Combien? Combien? Deux, c'est non. Le 4? 4? 4? Donc en fait c'était les années 2000. Sketch, encore les en années fait. 90, Resident Evil 4. C'est le meilleur. C'est le 4 des années 90. La menace de la NES. Oh. La NES qui, avec tous les personnages qui te font « Tu pourras pas me battre, tu pourras pas me battre !» Bon, bah, première bonne réponse déjà, bravo. Bien joué les répondants. Bravo le chat, un point. La Saturn Cyberpunk, c'était une meuf super chelou. Elle était super chelou cette pub. Avec d'accord. Qui venait okay. Parler que c'était le futur un point et encore. Tout. Non mais décrit voilà. Comme ça, on t'as est d'accord. Une chelou. Hein. Et pourquoi ça a changé mon truc? Et la Madame E.T. de la PS2 qui avait les yeux comme ça, vous vous rappelez encore pas les années 90. Ouais. La PS2 des années 90, ouais. PS2. Ouais, ouais. Ça c'était début 2000. Et j'avais envie de le dire, mais après j'ai failli le dire. Après j'ai c'est ah, vrai. Non, c'est 90. Ne tuez pas la messagère, enfin c'est pas sa faute quoi. Ils sont nuls, ils sont nuls. Oui, donc... C'est vrai que j'ai copié-collé les... Quand ça va être notre tour. Qu'est-ce qu'on choisit pour la dernière équipe? Dépêchez-vous. Mais donc, attendez pas. On accepte qu'on a zéro point là. Attendez, parce que c'est pas normal. Parce qu'il n'y avait pas une seule bonne réponse dans la question. Donc en fait, on avait forcément des points. Non, gagné, c'était comme la triche en fait. C'est, on prend 104 attends, points. Moi, je dis qu'on gagne sans même jouer, c'est beau. C'est ça le speedrun? Il faut qu'on court! Merci d'avoir participé à ce jeu merveilleux! J'espère que ça vous a plu, le public! Il y a eu un glitch? Désolé! Victoire au public et au chat! Oui, bon. Ouais! C'est le public qui a gagné, vraisemblablement. Le jeu est bien designé, c'est un peu méta, tu vois. C'est un peu méta, hein! Carrément, c'est tellement méta que même moi je suis paumée. Le public a gagné. Est-ce que quelqu'un a perdu? Bah tous. Bah 0,5. On a tous perdu, Moguri. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu plus que les autres? Moi? Yes. Merci tout le monde d'avoir suivi Un Farming en Or. Il faut absolument qu'on rende la scène. On va se faire botter le cul, sinon, je crois. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions. Mal, mais merci d'avoir répondu aux questions. Du coup, nos gagnants, en fait, c'est une égalité. Du coup, c'est nous, en fait.
Il faut que je fasse le tirage au sort. Mais ça, on l'annoncera. On annoncera le tirage au sort. Ils ont voté, les gens, et vous voulez faire ça ? Quoi, ils ont voté ? Ils n'ont pas voté, les gens ? Mais si. Et ben alors, mais c'était pour gagner un truc, c'était pas pour vous. Hein. Mais vous avez gagné une voiture. Voilà, oui. Tout le monde a gagné. Derrière le rideau, il y a un Renault Espace. Mais d'ailleurs, merci la régie. Merci la modération. Merci la régie. Merci à tous. Merci Camille. Merci Camille. Camille. Et très bon Stunfest à vous.